Donc, j'avais dit que je voulais réécrire en anglais Les Jardins du Nomade. Donc là, on arrive, je vais effectivement le faire. Je vais avoir une. Donc, j'avais fait quelques séjours supplémentaires à Balgo. J'ai une année sabbatique début des années 2000. Et donc là, je vais m'atteler à la réécriture en anglais de l'ouvrage Les Jardins du Nomade. Je vais faire donc des ajouts, ce que je pense, des bonifications sur le plan théorique, conceptuel et ethnographique. Et je présente le projet à l'Université of Toronto Press, qui ont été donc extraordinaires. Donc, ils ont aimé l'ouvrage. C'était dans la collection de Michael Lambeck, Horizon anthropologique. Donc, Michael Lambeck a apprécié l'ouvrage, il l'a accepté. Et donc, il va être publié, oui, à l'Université of Toronto Press, UTP. Et là, je ne trouvais pas d'équivalent en anglais des Jardins du Nomade. Alors là, c'était triste, j'aurais voulu, mais The Gardens of the Nomads. Peut-être ça aurait fait son chemin, je ne sais pas. Entre-temps, j'étais complètement habitée par toute la logique de la relationnalité et de la relation et... Donc, A World of Relationships. Et là, le sous-titre, ça va être Itineraries, Dreams and Events in the Australian Western Desert. Donc, l'idée pour moi, c'était vraiment de toucher un public anglophone et surtout que les gens à Balgo, éventuellement, les jeunes générations qui allaient apprendre à lire et tout, si un jour ils ont un intérêt, ben, qu'ils puissent lire l'ouvrage. Donc, il est sorti en 2005. Quand je suis allée en 2006, j'en ai apporté une caisse. Quand je suis allée en 2013, j'en ai apporté une caisse. Aucune idée de ce qui est arrivé. Je sais que certains ont servi à attiser le feu, à allumer le feu. C'est toujours commun d'avoir un peu de papier. D'autres, ont été bouffés par les chiens. Peu importe, OK? J'en donnais quand même, tu sais, j'en donnais aux missionnaires aussi, j'en donnais au centre d'art, tu sais, qui restait toujours un lieu quand même, là, un peu protégé. Donc, je ne sais pas, mais j'en avais apporté quand même plusieurs copies. C'était l'idée aussi, donc ça, j'étais vraiment très, très contente là, d'avoir réécrit la thèse en anglais, que ça a été publié chez un bon éditeur. Et aussi, donc, toute l'idée du retour des données. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est quand même là, quelque chose qui habite les anthropologues, surtout quand on travaille dans les mondes autochtones. Qui est de plus en plus présente. Donc moi, dès 2006, j'apportais avec moi, quand j'y allais, donc en 2003, mais aussi surtout 2006-2013, quand j'y allais, j'apportais avec moi soit des CD ou des clés USB, avec, j'avais numérisé, donc tous les enregistrements, surtout des chants rituels, les photos, ou en tout cas, ce que je pouvais, qui était susceptible de les intéresser, là. Mais aucune idée, tu sais, c'est comme le livre. Qu'est-ce qui advenait des clés USB, là, tu sais? Dans les familles, ils vont les mettre, là, ils vont les faire jouer, ils vont regarder les photos, ils vont écouter les chants et tout, mais après ça, bon, tu sais, il y a un enfant qui part avec, puis ils vont pas l'arrêter, comme je vous ai dit. On dit pas « touche pas à ça », là. On fait jamais à l'enfant « tu touches pas à ça ». On dit jamais non. Pas qu'on dit pas non, c'est pas ça, mais... Donc, je ne sais pas, mais dernièrement, quand même, l'an passé, un jeune linguiste australien qui travaille sur la langue Gugaja m'a contacté, il m'a dit « Écoutez, je vais régulièrement à Balgo, j'aimerais beaucoup avoir, donc, copie de vos enregistrements pour écouter les chants rituels avec les gens. » Là, je me suis dit « Oh, merci, ça c'est extraordinaire. » Parce que là, il y a quelqu'un sur place qui va les écouter avec eux, puis qui va dire, bon, regarde, on les met là, à telle place, dans le centre culturel, mettons. Là, parce que le centre d'art a quand même une petite pièce là, plus froide, là, pour garder, conserver des choses plus fragiles. Bon. Et donc ça, c'est ça. Donc ça, j'ai pas de nouvelles, là, mais c'est toute cette question du retour des données. Donc oui, on peut les rapporter, mais après ça,
qui va en prendre soin sur place, comment elles vont être conservées sur place. Donc, c'est toute la question. C'est un énorme débat, on le sait, en anthropologie. Moi, je n'irai pas plus loin sur ça, mais c'est effectivement très, très important. Je reviens en arrière parce que le livre, donc, A World of Relationships, il est sorti en 2005. 1993, il y a un poste qui s'ouvre à l'Université Laval. Donc, vous me direz, je suis fidèle, hein? Je suis née près de là, j'ai grandi près de là, je suis encore là. Bon, alors, il y a un poste qui s'ouvre et là, mon entourage me dit, Sylvie, t'applique, c'est pour toi. C'était ça, ben, Eric avait pris sa retraite en 92. Est-ce que je remplaçais Eric? Je ne sais pas, mais tu sais, c'est sûr que j'étais un peu dans la lignée d'Eric. D'Éric Schwimmer, mais aussi à l'université, bon, ils aimaient bien l'idée qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes des aborigènes australiens au Canada à l'époque, là. David Turner, puis je pense qu'on avait fait le tour, là, tu sais, on n'était pas très nombreux, là, peut-être un ou deux dans l'Ouest, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. Mon travail, je pense, était original. Donc, tout le monde autour, mon entourage, c'est « applique ». Là, je dis, ben non, franchement, je ne peux pas être enseignant, là, tu sais, je suis ben trop timide, ça ne marchera pas. Bon, je me laisse convaincre, j'applique, et j'ai le poste. Et effectivement, et j'ai pris plaisir, oui, à l'enseignement. En fait, j'ai pris plaisir à toutes les facettes de ce travail-là. On est professeurs-chercheurs, donc on enseigne aux trois cycles. Les étudiants gradués, tu sais, 30 ans plus tard presque, là, j'en ai dirigé là, une cinquantaine, maîtrise, doctorat. Plus la recherche avec les subventions. Donc, non, ça a été, c'est ça. Donc, ça, je suis ravie de ça. Et donc, et là, on embarque sur un autre volet de ma pratique anthropologique avec la nation Atikamekw. Comment tout ça a commencé? Lorsqu'on est revenu d'Australie en 88, Alain, mon conjoint, donc, qui avait terminé un bac en anthropologie, hein, avait tissé des liens avec Paul Charret, qui était professeur au département d'anthropologie à l'époque. Et Paul Charret travaillait, ou en tout cas avait des liens étroits, avec les nations Atikamekw et Innus, deux nations autochtones du Québec. Paul faisait des contrats, ou travaillait peut-être qu'il avait été prêté par le département, et il était à ce qu'on appelait à l'époque le Conseil Atikamekw montagnais, qui était un organisme qui prenait en charge, qui assistait les deux nations, Atikamekw et Innus, dans leur processus de revendication territoriale. Okay? Donc là, il faut retourner, 73, la politique fédérale, le fédéral met en place une politique de revendication territoriale globale pour toutes les premières nations qui n'avaient pas signé de traité historique pour permettre la signature de traités modernes. Mais encore là, il fallait faire la preuve, hein, anthropologique, d'occupation ancestrale exclusive du territoire. Et Paul Charret avait vraiment travaillé au début des années 80 avec les deux nations pour faire ce qu'on a appelé la grande recherche, de documenter avec des anthropologues et avec les autochtones, les jeunes autochtones qui sortaient des pensionnats, qui étaient les premiers à savoir lire et écrire, sont devenus des auxiliaires de recherche très précieux. Et ils étaient interprètes, ils parlaient la langue. Donc, il y a toute cette équipe, et sur 2-3 ans, ils vont faire pour les trois communautés Atikamekw et les... Mais Paul a dû en parler de ça, de toute façon. Là. Les trois communautés, les 9, peut-être, communautés Innus. Donc, vraiment documenter l'occupation ancestrale. Donc, Paul est encore au Conseil Atikamekw montagnais, engage mon conjoint Alain, pour travailler avec lui, avec les Atikamekw, les Innus, sur c'est ça, tout ce dossier des revendications territoriales. Et entre-temps, en 90 ou 91, il y a un différend entre des familles Atikamekw qui ont établi un campement permanent sur un chalet, un campement permanent, sur leur territoire ancestral, et la MRC, Municipalité régionale de Comté, qui veut retirer, donc leur demande des taxes foncières pour occuper le territoire. Et là, ils disent, non, c'est pas, désolé, là, c'est notre territoire ancestral, on n'est pas des villégiateurs comme les autres, c'est notre territoire ancestral.
Et donc là, ils disent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, donc, et là, c'est là qu'Alain pense à moi et Paul, et je ne sais pas lequel des deux, mais ils m'ont dit, Sylvie, donc, veux-tu faire un petit contrat avec la Nation Atikamekw sur documenter l'occupation ancestrale exclusive de ce territoire-là qui est visé par les taxes foncières pour que la MRC, donc, retire sa demande. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai déjà l'expérience australienne. J'avais fait des revendications territoriales en Australie. Donc, je vais... Les Atikamekw me reçoivent. C'est Yvon Shilton, un Atikamekw à ce moment-là. Lui était... Donc, faisait partie de ces familles qui étaient concernées. Et il va, donc, me faire rencontrer tous les couples, les aînés qui campaient des fois encore de manière permanente sur le territoire. Donc, il va me promener sur le territoire. Donc, vous verrez le territoire pour... Donc, c'est là, là. Hein, dans les mondes autochtones, le territoire est partout. Puis moi, ça a été tout le temps aussi là, un fil conducteur là, dans tous mes travaux. Donc, me fait visiter bon, le territoire, les campements, les familles. Et j'ai appliqué le même modèle qu'on faisait en Australie, hein. Donc, on fait une cartographie des lieux. Cartographie, là, pour les Atikamekw, c'était les itinéraires saisonniers, hein, les itinéraires de chasse, de trappe, la toponymie, les récits de vie, la généalogie. Donc, en peu de temps, je suis allée assez loin. Là, j'avais toute l'expérience. Et donc, ben, et ça les a, ben, je pense, ils ont vu que je travaillais bien, puis je savais comment documenter aussi, là. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ça, je n'étais pas au courant du tout de tout le travail que Paul Charest avait fait. Je n'étais pas au courant du tout, du tout. Moi, j'étais toute neuve, là. Moi, j'arrivais d'Australie. J'étais encore dans l'Australie, là. On est en 90, 91. Je suis en plein dans ma thèse, là. C'est par après que je vais découvrir tout le travail que Paul Charest avait fait, là. Autour, donc, de cette, documenter ce qu'ils appelaient l'occupation, l'utilisation traditionnelle du territoire. Et donc, la MRC a retiré donc, sa demande de taxes foncières. J'ai été remarquée, j'imagine, par la nation Atikamekw. Et donc, ce rapport-là aussi a quand même beaucoup circulé parmi la nation, ben, au moins les décideurs de l'époque, puis au sein de ce qu'on appelait là, le CNA, ce qu'on appelle le CNA, le Conseil Atikamekw Montagnier, non, le Conseil de la Nation Atikamekw. Donc, le Conseil Atikamekw Montagnier va fermer en 94, mais déjà dans les années 80, juste la Nation Atikamekw va fonder le Conseil de la Nation Atikamekw. Donc, c'est avec eux, le CNA, que je vais travailler et avec lequel je travaille encore. Donc, en 93, du fait que j'ai obtenu le poste, je peux donc faire des demandes de subvention au CRSH, au Conseil de recherche en sciences humaines. Et donc, je vais voir les Atikamekw et je leur dis donc que c'est ça, je peux obtenir des subventions et que j'aimerais donc qu'ils me disent à peu près ce sur quoi ils voudraient que je travaille et tout ça. À l'époque, ils n'étaient pas habitués que les chercheurs aillent les voir, leur dire « Regardez, j'ai de l'argent, sur quoi vous voulez qu'on le mette? Sur quoi vous voulez qu'on travaille? » C'est venu beaucoup plus tard, tout ce qu'ils appellent la recherche collaborative. Là. Mais, donc, moi, dès le départ, c'était ça. Parce que, aussi, il faut dire que les Atikamekw m'avaient dit, quand ils m'ont vu arriver pour faire le petit contrat que Paul Charest m'avait donné, ils m'ont dit « Bon, elle est anthropologue. » Donc, ils étaient un peu suspicieux des anthropologues. Et ils m'ont dit, bon, si tu veux travailler avec nous, tu dois mettre ton expertise anthropologique à notre service. Il dit, nous, on ne va pas se mettre au service de ta recherche. J'ai dit, aucun, parfait, ça me convient parfaitement. Donc, déjà, ça, c'était clair. J'allais donc travailler là, à faire avancer leur projet de vie, hein, leur projet de société. Et donc, c'est ça. Et donc, quand j'ai, quand je leur ai demandé là, ce sur quoi... Ils voudraient là, que je mette mes efforts et tout. Ben, c'est sûr que toute la question des revendications a été soulevée. Changement, la relation au territoire, les transformations survenues à ce niveau-là. Et finalement, ce que je leur ai proposé, ben, je leur ai dit, savez-vous quoi, je vais faire une démarche comparative Canada-Australie. Et ça, j'ai eu deux subventions du CRSH sur donc, la démarche comparative Canada-Australie, et c'est ce qui me permettait de retourner en Australie.
et d'approfondir donc aussi ma compréhension là, du monde atikamekw. Et donc, cette comparaison, elle était, pour moi en tout cas, elle était elle se justifiait tout à fait. Donc, on a ces deux groupes de chasseurs-cueilleurs, traditionnellement nomades ou semi-nomades. Des gens qui ont été sédentarisés dans les années 1950, parce que les Atikameks, c'est venu quand même assez tard. Oui, ils avaient commencé avant, mais encore, avant, donc 1950, il y a encore beaucoup de familles qui vivent là, la saison de chasse et tout ça sur le territoire, vont revenir à la communauté l'été. C'est des deux communautés qui avaient été en contact avec la religion catholique. Ces deux communautés qui avaient connu des politiques coloniales assez similaires et une histoire coloniale assez similaire. Donc, c'est ça. Je trouvais que ça justifiait. Et c'était bien parce que c'est ça. Là, les Atikameks aimaient bien. Là, tu sais, je leur parlais beaucoup des aborigènes, comment ça se passait là-bas au niveau de politique, au niveau des revendications territoriales et tout. Là. Eux, ça leur donnait aussi des pistes. Donc, je vais comparer ces deux groupes-là. Je vais écrire là, quelques articles sur ces questions-là, de voir un peu, encore là, donc toute la question de la coexistence, hein, de l'affirmation de la différence, toute la notion de résistance culturelle des Autochtones, qui sont donc dans un contexte colonial ou néocolonial, toute la question de la coexistence avec la société majoritaire et l'État, donc tout ce processus à la fois très complexe et subtil, hein, de coexistence, de résistance. Résistance dans le sens de résistance culturelle, OK? Mais résistance dans le sens des processus à la fois de reproduction d'un monde, hein, de continuité et de transformation dans un contexte de rapport de pouvoir inégaux. Et face à la modernité ou face à la chrétienté. Donc, en fait, ce fil conducteur, là, moi aussi, là, tu sais, il est toujours là, là. Il continue encore aujourd'hui à m'intéresser. Donc, à la fois ce qui se maintient, ce qui se poursuit, mais se transforme inexorablement, hein, dans la relation avec la modernité ou la chrétienté ou le capitalisme ou tout ça, avec le contexte contemporain. Et comment aussi la relation au territoire. Donc, c'est deux groupes qui maintiennent une relation très étroite au territoire, qui ont accès à leur territoire, mais que face aux contraintes actuelles, ben, c'est ça, les enfants vont à l'école, eux, ils travaillent, donc, et comment maintenir, donc, tu sais, toutes les stratégies pour maintenir le lien au territoire, pour transmettre les savoirs. Donc, il y avait plein de choses, mais c'était deux peuples qui avaient quand même choisi des stratégies très différentes. Les Atikameks, dès les années 70-80, ils sont pleinement engagés, impliqués dans ce que le gouvernement leur présentait en termes de structure de négociation, d'instance de négociation. Ils ont embarqué là-dedans pour aller négocier, faire valoir leur projet de vie, faire valoir leurs droits. Ils négocient toujours aujourd'hui, OK, 40 ans plus tard, parce qu'ils veulent pas, ils veulent, parce qu'ils veulent, il y a certains points sur lesquels ils lâcheront pas. Mais donc, ils sont pleinement engagés là-dedans. Alors que les Gugaja en Australie, Balgo, eux, c'était comme refus. C'était ça leur forme de résistance. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Je ne pourrais pas le dire. Mais la peinture était une forme de résistance pour maintenir le lien au territoire. Mais refus de s'impliquer dans le conseil de bande. Tu sais, il me rappelle les représentants du gouvernement, écoute, ils couraient après eux, ils couraient après les jeunes hommes pour dire « Garde, tu vas être chef. » Lui, tu dis, non, dans mon monde, là, j'ai rien d'un chef. Ma parole, j'ai beau avoir 40 ans, ma parole n'a aucune autorité. C'est les vieux, les hommes, les femmes de loi qui ont, tu sais, ceux qui détiennent les savoirs rituels, eux ont l'autorité. Moi, tu sais, j'ai lire et écrire, mais j'ai aucune autorité dans mon monde. Mais des chefs à Balgo, entre les années 80 et 2000, ceux qui ont été obligés, parce que le gouvernement les a obligés comme à prendre le chapeau du chef du conseil de bande, ben, la moitié, je te dirais, sont tués. Oui. Ben, par, encore là, mort violente. Là, ils tombaient, sombraient dans l'alcool. Tout ça faisait pas sens avec là où ils avaient été socialisés.
Et donc, c'est ça, c'était deux, malgré que, tu sais, chez les Atikamekw aussi, là, il y a eu une mort violente, suicide et tout, c'est très, très, très présent aussi. Là. Donc, mais là, je parle en termes de leur engagement dans la négociation, le dialogue avec l'État, sachant que l'État n'a aucune volonté politique, là, hein, aucune envie de négocier d'égal à égal. Mais quand même, les Atikamekw ont toute mon admiration pour ça. Ils continuent à négocier, à faire valoir leur point, leur projet de vie à eux. Mais c'est ça, les Gugaja, c'était un refus d'une certaine façon là, d'engager ce type de relation-là. Je dirais aussi par rapport aux Atikamekw, juste pour revenir à ce premier rapport de recherche que j'ai fait, autour du différent là, avec la municipalité régionale de comté puis les taxes foncières. Donc, ce rapport-là, à l'automne 2021, j'étais à une rencontre avec des Atikamekw. Il y a un jeune Atikamekw qui est là, qui est en train de faire des études, sa maîtrise, je crois, en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. Et durant l'été, le CNA, le Conseil de la Nation Atikamekw, donc, l'avait engagé hein, comme auxiliaire de recherche pour... et je ne me souviens plus, je ne sais pas ce qui était son mandat exactement, probablement autour des revendications. Et ils lui ont conseillé de lire le rapport que j'avais écrit en 90-91. Puis là, il est venu me voir. Ça fait tellement plaisir. Et il dit, c'est vous, Mme Poirier. Il dit, j'ai lu votre rapport. Parce que c'était sa famille aussi, OK? Et il dit là, ben, j'ai appris plein de choses. Il dit, j'ai vu ma généalogie. Il dit, ça m'a rapproché, parce que j'avais fait une entrevue puis avec son grand-père. Il dit, je suis retournée voir mon grand-père. Il dit, je l'ai amené sur le territoire. Il dit, ça m'a permis de renouer avec mon grand-père. Il dit, j'ai découvert ma généalogie. Et là, tu sais, je dis, ça fait du bien, là, tu sais, parce que, ben oui, ça fait du bien. Tu sais, l'idée de notre travail, c'est que ça ait des retombées concrètes pour les gens. Et là, tu sais, quasiment 20 ans, 30 ans plus tard, ben, un rapport de recherche que je pensais qu'il serait tabletté, mais est redécouvert par le petit-fils des gens avec qui j'ai travaillé et que ça lui parle et ça lui apprend des choses. Donc, tu sais, ça contraste avec, parce que l'histoire avec les Atikamekw, il y a eu des moments houleux quand même, là, tu sais. Donc, des fois, moi ou certains de mes étudiants, on s'est fait traiter de voleurs de culture. Donc, tu sais, c'est difficile, tu sais. C'était l'idée donc, qu'ils avaient des anthropologues, des voleurs de culture, alors qu'on n'était pas là du tout. Là, au contraire, on a toujours été dans recherche là, collaborative. Et donc, donc j'ai fait la démarche comparative, j'en ai parlé. OK. Donc, d'autres publications, début des années 2000. Donc là, mon travail avec... Non, oui, il y a un autre rapport de recherche que j'ai fait pour les Atikamekw qui était très important, sur le droit coutumier, piste de réflexion. Donc ça, ils m'ont demandé ça en 98 pour les négociations. Ils ont dit, vas-y donc, essaye de faire quelque chose, là, vraiment, qui va mettre en valeur nos règles sur le droit coutumier. Et donc là, c'était Jean-Marc Nicoué, un homme de Manoane, qui lui a eu le contrat du CNA pour aller faire les entretiens avec les aînés, dans les trois communautés. Il y a trois communautés, Atikamekw, Wemontachi, Manoane, Obedjouane. Il fait les entrevues avec les aînés, il les transcrit en Atikamekw et il les traduit en français. Alors là, hein. Extraordinaire. Et là, chez Jean-Marc, et là, avec Jean-Marc, moi, je me mets à analyser ça. Bon, à l'époque aussi, on est comme 97, 98. Je sais pas trop comment je suis arrivée. Là, je suis dans l'enseignement par-dessus la tête. J'ai deux jeunes enfants, je suis seule. Des fois, on se demande après coup comment on a fait. Mais j'aurais aimé avoir une année supplémentaire pour vraiment aller au fond de ces entretiens-là. Mais je vais produire donc un rapport, droit coutumier chez les Atikamekw, piste de réflexion. Et ça, vraiment, ça va être utile. Ils vont être contents du résultat. Ils vont beaucoup l'utiliser dans les tables de négociation. Donc ça, j'étais très contente. Et ce travail-là que j'ai initié avec droit coutumier, finalement, c'est un de mes étudiants de doctorat, Benoît Etier, qui va l'approfondir avec son propre terrain,
qui va faire une excellente thèse vraiment sur le droit coutumier atikamekw, le système juridique atikamekw, les formes d'autorité atikamekw, les modes de transmission des territoires. Il soutient sa thèse, Benoît, en 2017. Et depuis, Benoît Etier, donc, est à l'UQAM, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et donc continue aussi là, ce travail-là.